Salut à tous, une vidéo sur Icaros 2.12. C'est un live CD installable qui utilise non pas Linux, non pas BSD, mais AROS. AROS, c'est un acronyme pour AROS Research Operating System. Aussi, au début, c'était pour Amiga Research Operating System. C'est un projet qui est né en 1995 pour faire une implémentation libre d'Amiga OS 3.1. Il faut dire que les choses à l'époque, Commodore venait de mettre la clé sous la porte, enfin, la clé sous le paillasson, Escom a racheté Amiga avant de clamser à son tour. Donc pour sauvegarder Amiga OS 3.1, Aaron Digula et d'autres codeurs ont lancé fin 95 AROS pour implémenter entièrement Amiga OS. Depuis, outre le port pour processeur 68000, ils ont rajouté Power PC, ils ont rajouté les i386, les x8664 et les Raspberry Pi. Je ne sais pas si j'ai dit pour PC, donc j'ajoute aussi pour PC. Enfin, si j'ai dit, c'est pas bien grave. Comme d'habitude, vous aurez un lien dans le descriptif pour tous les détails techniques. Donc là, j'ai récupéré Icaros qui est sorti le 20 juin 2016, version 2.12, et on va voir ce que ça donne. Vous allez voir que le temps de démarrage est très long. Voilà, c'est chargé. Donc nous sommes sous le Wanderer. C'est le nom d'une appréhension du workbench réinventée. Vous remarquerez que là, bon, il y a Directory Opus qui est aussi lancé en tâche de fond. On peut très bien aussi ne pas le lancer en tâche de fond. Alors, Keyfinder, non, c'est pas ça que je cherchais. Donc là, on va les icônes, on va les faire un petit clean-up. Voilà. Donc, comme j'ai précisé dans l'article, j'ai divisé en deux, j'ai mis une partition, j'ai fait 50-50 pour une partition système et une partition travail. Ça, ça permet au cas où je voudrais récupérer des données, de les séparer de l'ensemble du disque, pas des données. Donc là, hop, ça, c'est un petit bug graphique, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, donc là, vous n'avez rien vu. Donc, c'est Icaros, la version 2.1.2. Voilà. Icaros Desktop 2.1.2. Une version du 5 janvier, peut-être qu'il y aura une version plus récente. Côté outils, on a pas mal de petites choses, comme vous pouvez le voir. On a un shell, pour lancer un shell classique. Je me demande si la commande uname fonctionne, mais ça m'étonne un truc, ce n'est pas... Ah oui, ça fonctionne. Voilà. Donc, autant pour moi, je pensais pas que ça fonctionnerait. On a tout ce qui est gestion des images, enfin des disques, pardon. Tous les extras, donc on a les trucs pour le 68000, les applications 68000. Je ne les ai pas testés, mais je n'ai pas envie de les tester parce que je ne sais pas si ça va planter ou pas. Bon, on va essayer de lancer celle-là. Non, apparemment ça ne se lance même pas. Il faut peut-être aussi des ROM spécifiques. Là, vous voyez, il y a pas mal de... Les applications classiques, donc on a les logiciels de maths. On a de quoi... Vous avez un peu de tout, vous avez un éditeur texte simple. Je ne sais pas à quoi il ressemble, voilà. Tout ce qu'il y a de plus simple. On a pas mal de petits outils fournis. En émulation, on a, bon, j'ai tout installé aussi, on a Arnold par exemple. J'ai fait l'installation complète, donc là je découvre aussi avec vous certains logiciels qui existent. Goodbye, d'accord. Je vais essayer quand même de le fermer. Il ne veut pas. Il ne veut pas se fermer, mais on va le laisser tranquillement. Hein. Il ne veut pas se fermer, je ne sais pas pourquoi. Donc, dans les émulateurs, on a aussi. Donc, on va le mettre ici, comme ça, il ne va pas nous ennuyer. dans les émulateurs, on a aussi tout ce qui est Doxbox, Caprice pour aussi Amiga, Box. Vous avez quand même, il y a pas mal de petits trucs. L'Atari aussi, si on avait des émulateurs d'Atari ST. Vous avez un sacré paquet d'émulateurs fournis par défaut. Émulateur pour SIM coupé, qui était un ordinateur
8 bits avec 512 kilo de mémoire vive de mémoire. Par contre, je sais pas comment on fait pour le tuer. Donc, je vais essayer de disparaître ici. Je sais pas comment on fait pour tuer cette sale bête. Je vais peut-être avoir avec un petit kill. Est-ce que j'ai un PS? Non. Kill. Process. Process icon peut-être. Non, c'est pas ça, donc je sais pas comment on fait pour le tuer. C'est pas bien grave. On va faire exit. Je sais pas comment là, je vais pas le tuer, donc j'espère que ça va pas faire planter le. Voilà. Continue. Voilà, c'est bon, donc on est revenu. Donc on a pas mal de petits émulateurs. Il faut se rappeler aussi que c'est un logiciel en développement, donc il peut y avoir des bugs. J'ai fait une installation complète, donc c'est un des extras. Vous avez des émulateurs, vous avez des outils GNU, des jeux. Il y a pas mal de petits jeux apparemment. Un clone de Tyrian. Si ça va pas me fermer la fenêtre. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi il veut pas me quitter le logiciel. Vous avez quand même pas mal de petits jeux. Moi, je suis plutôt habitué de l'Amiga OS, donc c'est normal que je galère un peu. Les outils de réseau. On a un navigateur net, internet, on a des applications web, on a un client courrier, vous avez vraiment beaucoup de choses là-dedans, vous voyez. Bon, bien sûr, j'ai fait la station complète, mais on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec Aros. On peut même avoir des DBD. On a les fonds d'écran. Voilà, donc je vais vous montrer le navigateur qui s'appelle Odyssey Web Browser. On va voir le niveau HTML5. points, c'est pas si mal que ça. Tout pour un navigateur sur un OS qui officiellement n'existe plus. On va aller sur YouTube. Alors voyons, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? On va prendre Absol pour changer un peu. Normalement, il va y avoir du son. Salut tout le monde! Vous rappelez-vous de cette vlogueuse américaine nommée LoneyBear15 dont je vous. Voilà. Donc on a du son sur YouTube. On va voir ce que ça donne sur HTML, sur Bandcamp. On va prendre le premier album qui va me tomber sous la main. Par contre, la résolution c'est normal parce que. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors on va prendre le premier album juste pour tester le support HTML5 audio. Ben celui-là. Bon. C'est bon, toi on va te faire un dodo. Voilà. Donc vous voyez quand même, c'est quand même pas mal fonctionnel. On a un petit éditeur de texte. Tout ce que c'est plus classique là encore. On a un éditeur de texte qui s'appelle Cinnamon Writer, aucun rapport avec l'environnement de Mint. Je sais, j'espère que si on va dans un support visit home page, bien sûr il ne trouve pas. Donc, je ne sais pas s'il continue d'être développé logiciel. Du coup, je vais faire comme ça.
Par contre, il n'enregistre qu'au format texte et au format DOCX. Pourquoi pas? On va quitter. Donc, je vais relancer Odyssey Web Browser. Je vais sur Google pour voir si Cinnamon Writer est toujours utilisé, enfin, toujours développé. Cinnamon Writer. Normalement, c'était développé à l'origine, enfin, à l'origine, c'est pour, ça pour cible Amiga OS 4. C'est utilisable aussi sur Morph OS et AROS. Donc pourquoi pas, et la dernière version. Ah, il est quand même en 0.95. Ah oui. Vous voyez quand même, bon, bien sûr, on ne peut pas faire tout ce qu'on peut faire avec un Linux actuel. Ou un MS Windows ou un macOS, mais déjà c'est pas si mal que ça. Frying Pan, c'est un graveur de CD DVD et apparenté. On a un vieil Directory Opus, version 4 quelque chose, qui date de l'an 2000. C'est-à-dire que ça à l'époque, ça valait plusieurs dizaines de francs. Et oui, à l'époque, on était encore en francs. Là, il y a tout ce qui est émulation 68000, donc je ne vais pas le lancer parce que ça risque de planter. Et je vais montrer par où j'ai dû passer pour pouvoir corriger le bug d'affichage. Donc, je suis dans les préférences. Là, par contre, je vais faire un petit clean-up. Dans les préférences, il a fallu que je passe par le boot. Et parce que par défaut, il boot, il démarre dans la résolution la plus importante possible. Il a fallu que je lui dise tu démarres en 1024 par 768. Ça n'a pas été évident à trouver. Donc là, on a tous les réglages. On peut accéder au cloud. Les imprimantes, bien sûr. On peut se rajouter une imprimante si on en a une. Avec toujours les widgets d'Amiga OS et compagnie. Wanderer, c'est c'est le remplaçant du Workbench. Vous avez toutes les options. On n'a toujours pas le clic droit, dommage. La partie localisation. Enfin, la traduction, on peut choisir sa langue. Il y en a, comme vous pouvez le voir, un sacré paquet. On peut choisir son fuseau horaire. Merci, je voudrais bien prendre le fuseau horaire de France, de Paris. Voilà. Trident, ça c'est pour tout ce qui est USB apparemment. Oui, c'est la gestion de l'USB. Les réglages Icaros, donc on peut directement démarrer avec Magellan et ou Workbench, ou aucun. Le Workbench, le Wanderer, voilà. Networking, le son de démarrage. Non, apparemment, n'est pas là. Donc, oui, on peut faire pas mal de petites choses. Mais c'est vrai que. Avoir des icônes, je ne sais pas ce que c'est. L'heure, qu'on peut régler. C'est vraiment très complet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, mais je vous ai montré la plupart des trucs. Hein. Les outils, bon, il y a bien sûr de quoi faire une capture d'écran. Montrer la configuration. Je ne sais pas ce que ça va donner. La calculatrice. Voilà le gestionnaire de partition. L'outil PCI qui donne toutes les informations sur le PC qui a sur l'ordinateur. Voilà. Vous avez un peu de tout, quoi, c'est ça qui est bien. Les Commodore Auditis, qu'on les appelait à l'époque. Alors, ah oui, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est vrai, vous pouvez passer une heure à tout fouiller, vous ne verrez pas tout encore. Hein. Un clone de WinZip pour tout ce qui est archive. Quand on est ici d'ailleurs. Donc il y a pas mal de choses comme vous pouvez voir. Hein.
Là, ça permet de manipuler les fenêtres. C'est vrai que c'est un projet un peu fou de logiciel libre parce que quand même vouloir réimplémenter entièrement Amiga OS 3, il fallait le vouloir. Là, c'est pour ouvrir des fichiers d'informations. Je ne sais pas ce que c'est, ce qu'on a fait clock. De toute façon, c'est pas apparemment. Les lecteurs de fichiers PDF. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est basé sur XPDF qui a été revampé. Ah, donc il y a pas mal de petites choses. Mais c'est vrai que c'est un peu un projet fou parce que vouloir réimplémenter Amiga OS, bof quoi. Tiens, alors elle était là. L'horloge en question. Voilà, donc c'est en gros ce que je vais vous montrer. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à montrer quoi. C'est vraiment RAM disk. Voilà, donc c'est vraiment un projet fou. Ça fait toujours plaisir parce que ça permet comme ça de se replonger dans l'époque de l'Amiga OS. Mais si on a vraiment envie d'un Amiga OS classique, autant passer par FSUAE et compagnie. Hein. Donc je vais essayer de faire un Rebuild Computer. About. Donc là c'est Magellan 5.91 qui gère le fond d'écran. Donc là je vais carrément quitter Directory Opus et éteindre l'ordinateur si j'y arrive. Bon, premièrement on va faire CTRL Q. Voilà, donc c'était Icaros. Bien sûr, bon, mais c'est un projet fou de logiciel libre. Ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont un peu nostalgiques d'Amiga OS. C'est pas si mal que ça, mais il faut quand même bien s'y connaître. Utiliser le clic droit au lieu du clic gauche pour afficher les menus. C'est quand même une économie un peu spéciale. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye bye.